D'automne au beau milieu de l'été, l'humidité et la fraîcheur s'invitent sur les trois quarts du pays. Il va falloir composer avec. Cette baisse générale des températures va durer toute la première quinzaine d'août. Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Des tornades de feu. Imprévisibles, elles se forment lorsque les températures sont très élevées et les vents tourbillonnants. Nous sommes dans le désert de Mojave, entre la Californie et le Nevada. Depuis cinq jours, plusieurs foyers ravagent ce parc national connu pour sa biodiversité. L'incendie s'étend sur plus de 300 km², 30 000 hectares ont déjà brûlé et rien ne semble pouvoir arrêter la progression des flammes. Accrochée de toutes ses forces à un climatiseur, cette femme âgée crie à l'aide. Sur ces images capturées par une caméra de surveillance, elle est finalement sauvée de la noyade. Un miracle. La force des eaux engloutit tout sur son passage. L'enfer, ce n'est pas seulement les autres, c'est nous. Ces millions de touristes, dont beaucoup de Français, souvent déversés dans Venise, par des immenses paquebots qui parcourent la lagune. Ajoutez à cela les effets du réchauffement climatique, qui à Venise se manifeste souvent par des inondations consécutives à la montée des eaux, et vous créez un danger que l'UNESCO ne veut pas ignorer. Le changement climatique et le tourisme de masse risquent de provoquer des changements irréversibles à la valeur universelle exceptionnelle de Venise. Millions de touristes par an, c'est trop. 600 fois plus que le nombre d'habitants locaux, mais à part les statues. Qui s'en rend compte? L'affluence, ça va. Ça pourrait être pire. Je ne sais pas vraiment si nous, les touristes, on a un impact sur l'environnement. La France évacue dès aujourd'hui ses ressortissants au Niger. Décision ce matin du Quai d'Orsay qui évoque une dégradation de la sécurité. La France est ciblée depuis plusieurs jours à Niamey par les partisans du putsch. Tous les problèmes que les gens sont en train de vivre au Niger, en Afrique totalement, c'est la France qui est le noyau. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Le Burkina Faso et le Mali, pays voisins, dirigés par des militaires eux-mêmes arrivés au pouvoir par un coup d'État, mettent en garde. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Je veux être très clair avec nos compatriotes, il n'y aura aucun rattrapage sur leur facture d'électricité. Les consommateurs français ne verront aucun rattrapage lié à ce besoin de financement sur leur facture en 2023. Prix à la hausse. Après 15% en février, le tarif de l'électricité augmente encore de 10% à partir d'aujourd'hui. Cela devrait concerner près de 22 millions de Français. L'augmentation est estimée à 160 euros par an et par foyer. Un document vidéo, les premières images des braqueurs de la bijouterie Piaget aujourd'hui en plein Paris à la mi-journée. On les voit sortir tranquillement à pied. Dans leur sac, un butin estimé à plus de 10 millions d'euros. Un chiffre record qui inquiète 74 513 personnes incarcérées comptabilisées au 1er juillet, du jamais vu dans nos prisons françaises. Un nouveau record historique du nombre de détenus. Donald Trump, effectivement, avait annoncé qu'il était sur le point d'être inculpé. Et environ un quart d'heure après ce message qu'il avait posté sur son réseau social, la nouvelle est tombée, effectivement, officiellement. Trump est inculpé, en fait, pour avoir tenté de renverser l'élection présidentielle de 2020. Baby, the man, bad thing. Baby, the man, bad thing. Baby, the man.
Fin de partie pour la rédaction du journal du dimanche. Les journalistes grévistes ont acté ce matin l'échec de leur grève de 40 jours. Geoffroy Lejeune a pris ses fonctions aujourd'hui à la tête de l'information de l'hebdomadaire. La suite, eh bien, ce sont des négociations qui vont s'ouvrir entre les journalistes de la rédaction et la direction du journal du dimanche pour négocier de meilleures conditions de départ pour notamment les journalistes les plus précaires, mais également l'inscription à l'intérieur du journal d'une charte éthique contre, par exemple, des propos homophobes ou encore racistes. Charte balayée, rejetée jusqu'ici par la direction du journal. Oreilles bouchées, traces sur les écouteurs, vous avez des difficultés à entendre. Il est temps de prendre soin de vos oreilles. Reste à savoir maintenant avec qui Geoffroy Lejeune, qui est un soutien d'Éric Zemmour et ancien patron de Valeurs Actuelles, compte faire tourner son journal. Thank you.